Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle. Par l'habitude, nous commençons avec un grand titre. L'école pour deuxième, la moitié sa troisième trimestre s'y commence demain et le ministère de l'Éducation a annoncé que les modalités y restaient pareilles avant. Par contre, il y a un bon assistement qui cette l'école peut faire. L'Église catholique propose trois initiatives pour aider le système d'éducation qui pour bénéficier des enfants et familles vulnérables. Un homme 52 ans peut gagner détenu en relation avec une vidéo qui peut circuler le réseau social qui montre lui peut battre un madame. Participants sortis de différentes organisations y apprennent une meilleure façon pour plus bien zèle l'environnement à la côte. 24 compétitions la peinture organisée par la Fondation Danifo y recevoir d'autres prix. Nous passons le détail. Ministère de l'Éducation a annoncé qu'il a entré l'école pour deuxième la moitié sa troisième trimestre demain et que modalité est restée pareille avant. Secrétaire principal pour service l'éducation, Dr Odile de Comarmont, il dit que par contre, il y en a un bon assistement qui c'est à l'école. Puis fait, ça y concerne l'école primaire Anse-Boileau, l'école Bellhomme, l'école exceptionnelle et l'école Plaisance secondaire. Lance-Boileau, il peut faire tout son bon, ce qu'on appelle le kistage, ça veut dire son PDP 4, P6, les autres peuvent venir tous les temps pour les autres cas rattraper pour l'examen. Après, il y en a l'école exceptionnelle, tous les enfants peuvent rentrer. L'école Bellhomme aussi peut ouvrir avec, pour tous les enfants. Après, il y en a l'école Plaisance secondaire, il y en a une rénovation qui peut faire et il y en a un peu nettoyage qui a encore besoin de faire. Ça veut dire lundi, les autres peuvent ouvrir et les autres peuvent mardi. Nos modalités peuvent continuer, ça veut dire que si tout une école secondaire, vous pouvez venir une semaine un groupe, l'autre semaine l'autre groupe. L'école primaire aussi, il y a un bon groupe qui vient une semaine, un bon groupe qui vient l'autre semaine. Après, il y a un bon groupe qui est arrangé, vous pouvez finir communiquer avec les parents pour les qui viennent tous les temps. Si tout une P6, P4. L'Église catholique annonce trois initiatives côté il est content de contribuer son service envers le système d'éducation. C'est l'évêque de l'Église catholique, Monseigneur Alain Harel, qui a fait cette annonce pendant un long messe spécial qui est organisé comme partie activité pour célébrer la semaine enseignant. C'est long messe qui fait côté l'Église Saint-Jean-Bosco, Pointe-Larry, aujourd'hui. Bon matin. Si dans l'homme, c'est bien animé avec beaucoup de cantiques et activités pour marquer la semaine enseignante, il lancé. C'était ministre pour l'éducation, Dr. Justin Valentin, qui officiellement lance ça la semaine pendant un lancement spécial qui est organisé par l'école dans la région Lesmaillé et qui commence à 9h au matin contre l'église Saint-Jean-Bosco, près de la rue. J'invite les parents à envoyer un SMS, un texte de solidarité pour les enseignants de leurs enfants, car nous savons que les enseignants font face à de nombreuses épreuves et de nombreux défis. Il faut absolument les encourager. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la semaine des enseignants-enseignantes. Les activités vont se terminer le vendredi 8 octobre. Salam est célébré par Monseigneur Alain Harel, père la paroisse Patrick Mabiana et Jack Luagatine. Parmi les fidèles qui ont assisté à Salam est, tu fais l'aide Linda Rom-Calawan, plusieurs ministres et bon travailleurs dans l'éducation. De son homélie, l'évêque de l'Église catholique, Monseigneur Harel, tu dis que l'Église catholique a envie de contribuer son service envers le système de l'éducation. Ça, il y a trois domaines principaux. Une première initiative, c'est que Caritas, dans de nombreuses paroisses, en lien avec le staff, les maîtres d'école, le staff, prévoit pour les enfants défavorisés un breakfast. Et ça, je trouve que c'est une mesure que je souhaite qu'il puisse s'étendre à d'autres paroisses, car évidemment, un enfant avec un estomac vide ne peut pas étudier. Une deuxième initiative, c'est que dans plusieurs paroisses, les salles d'œuvre sont mises à la disposition des enfants après les heures de classe pour qu'ils puissent faire leurs devoirs. Parce que bien souvent, l'habitat dans certaines maisons ne permet pas
ne donne pas un cadre pour que l'enfant puisse faire ses devoirs. Et ils sont encadrés pour cela par des professeurs et des adultes volontaires. Et enfin, une troisième initiative que nous essayons de prendre, c'est accompagner les familles. La famille, c'est la base de la société. Les parents sont les premiers éducateurs. Et le rôle de l'Église est d'accompagner Tilepa, ces familles pour qu'elles puissent mieux prendre leurs responsabilités d'éducateurs. Pour des enseignants qui t'y assistent à la messe, Raymond Lavie, qui est directeur de l'école Poids de la Rue secondaire, et Colin Rose, enseignant à la crise Plaisance, ils ont dit ce qu'ils ont pu faire, ils ont senti et puis apporte certains bénéfices pour la société. Ici, dans la messe, là, mon parti expecté, un enseignant qui fait 25 ans de service, il mentionne moi la façon qu'il monte tous les, la façon qu'il monte tous les, pour arriver côté inarrivée. Zis bonne parole comme moi, y'a assez, comment il merci pour moi. Aussi dans la bouche, bonne parents parfois, beaucoup parents et enfants autres même. Là, nous pouvons gagner beaucoup à prêcher et nous gagner l'encouragement aussi, et c'est ça qui aide nous continuer dans sa profession. Quoi qu'il faut l'ouvrage facile aussi, quoi qu'il y ait une difficulté aussi, quoi qu'on peut rencontrer là. Ok, il n'y a pas beaucoup de difficultés là, on peut guetter, mais c'est bon, ou même qui besoin d'adapter, qui m'a dit pour ça, pour continuer, mais c'est bon, ou même besoin de façon pour enseigner. Ça aussi aide nous dans sa nouvelle normale pour nous continuer. En termes de technologie aussi, ça peut aider un peu? Oui, technologie aussi, un bon quelque chose. À travers. Je ne vais pas dire COVID-19, mais c'est comme si il aide nous pour nous développer un peu plus, nous bonnes ideas, nous bonnes nouvelles façons que nous pouvons faire. Lundi, activité pour ma classe et enseignants continue avec le lancement du conseil de régulation des enseignants qui peut établir un standard pour les enseignants. Et plus tard, pendant une cérémonie, que les enseignants qui font 25 ans de service pour être récompensés et aussi les qui prennent ou bien qui prennent d'autres retraites. La police a rapporté 15 hommes 52 ans puis détenus en relation avec un vidéo qui peut circuler le réseau social qui montre lui peut battre une madame. Dans un communiqué, la police dit qu'il s'assistait pour gagner un menant cours demain. Entre-temps, l'enquête continue dans sa cas. Ministère de l'Investissement, Développement d'entrepreneuriat avec l'industrie exprime conseil en relation avec ce qu'il appelle faux information qui peut circuler les médias sociaux en relation avec la situation actuelle. L'Office 2020 Development Limited, qui est basé côté ICCS, en disant qu'il y en a un potentiel pour confiser clients et public en général. Dans un communiqué, sa ministère a clarifié que l'Office 2020 Development, IFM, envie un l'enquête qui peut faire par un l'agence qui renforce la loi. Et à cause de l'enquête, il dans l'emmène l'autorité concernée, sa ministère n'a pas pu faire aucun des autres commentaires à sa point et qui plus tard, les moments appropriés, l'information de sa situation à gagner donné. Entre-temps, bon client 2020 Development ou bien bon habitant l'île Soleil qui n'a aucun conseil ou qui besoin d'assistance est capable de contacter le bureau sa ministère le numéro 430-30-09. Et SBC nous aussi contacté sa ministère pour gagner plus l'information, le s'assiser et pour mettre contenu sa communiqué dans le contexte. Mais représentant sa ministère refusé faire plus commentaire le s'assiser. Plusieurs participants ont gagné sensibilisé le Kimoye, l'environnement de la côte, devrait être plus gagné bien géré à cause de son lien direct avec l'infrastructure et aussi la vie humaine. Ça t'y pendant une session formation 3 semaines, l'eau d'adaptation aisée sur la côte. C'est la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement japonais et l'Université CICEL qui organise sa formation. Comment un petit état-il qui peut développer la côte CICEL est toujours vulnérable avec différentes menaces qui soient causées par action humaine ou bien la force la nature. Ça est capable de tempête, l'inondation, l'érosion et aussi niveau de la mer qui peut continuellement augmenter à cause du changement climat.
Pour plus bien comprendre différents aspects locaux et l'environnement de la côte, il y a un lien direct avec l'infrastructure et l'IME en général. L'Université CCL organise une session formation pour environ 30 travailleurs qui sont intéressés dans la protection et la gestion de la côte, tels que consultants, techniciens, travailleurs de l'environnement parmi les autres. This short course being sponsored by the World Bank, the Government of Japan and UNICEF is mainly focusing on the coastal management plan that was developed in 2019. But through gap analysis, we realized that there's a little bit of technical capacity shortages in Seychelles. The focus of this short course is to amalgamate a lot of the information that different departments would need to actually fulfill their jobs and to help with decision making. Seychelles being a coastal and ocean state, you know, people are living next to the coast, so we need to manage it in a sustainable way. So through this course, we will look at things like using global information systems, looking at sea level rise models. We know there's a lot of development in the lowland areas around the coast. This is where most of people live. It's where our road infrastructure is, our electricity supply. And obviously, we've already seen some flooding impacts. All of that are risks. And together with climate change, you know, we are anticipating seeing more storm events, increases in sea level. So we need to manage that and plan for the worst. Pendant sa session à peu près 3 semaines, sa bonne participant est aussi grand sens et sans l'idée l'occumentaire gestion et protection de la côte d'un pays est capable d'améliorer. Janice Ladouceur y est ingénieur de l'Agence Transport de la Terre SLTA. D'après lui, c'est la classe pour aider son organisation pour faire plus bonnes décisions les autres peuvent faire poser la côte. Nous disons que c'est bien. Présent, c'est bien pour gagner un dommage par la force la roule la côte et nous y aller nous provide une solution immédiate pour un problème pour ce qui nous aimait aller et là par contre dans ça encore là mon père apprendre une façon ben soft engineering nous plutôt implement hard engineering ben là nous peut apprendre soft engineering ben façon soutenable qui nous capable résoudre ça bon problème pour nous pas juste ni nous c'est mais plutôt répondre nous la côte à cause la côte hyper recide over the years in recent quantité là au pégété pas changement climat action humain et bon pour les autres facteurs et là sa bonne méthode là il pas pour juste et nous juste bloc li qu'on arrive pour empêcher li continue recide mais pour aider aussi capable répondre sa bonne la côte qui ne perdure extendly out et faire quelque chose de normal par ici poser été. Et ingénieur civil Yann Dauphé, qui peut aussi assister à sa session formation, il croit qu'il faudrait toujours en masse plus l'information scientifique sur la côte. All of our coastal infrastructure and a lot of our economic value is at severe risk from sea level rise. And before we do that, we also need to get data. We need to have an investment into equipment that monitors our sea state very close to the sea. So that's wave buoys that can measure current, wave direction, and all sorts of parameters that we need to make informed decisions. We need that investment in that infrastructure. Il y en a plusieurs projets qui peuvent implémenter à travers pays qui ont une connexion avec gestion la côte. Demain, le 4 octobre, il a zoné l'habitat dans son message pour sa l'occasion. Ministre Billy Rangasamy intouche le rôle son ministère comme facilitateur pour assurer que tout le monde ait accès avec un endroit resté et que le gouvernement est resté engagé pour délivrer un programme la case qui est soutenable et solide. Il peut encourager Banzen pour depuis bien bonheur, imagine les autres plans la case et pour aussi imagine prendre un cahier de secteur la case. Il s'est dit ça pour aider à réduire la quantité étrangère qui entrait dans le pays pour travailler dans sa secteur. Il a ajouté qu'il y en a beaucoup étrangers qui peuvent faire bon travail important dans le secteur la case, pareil sapontier, électricien et maçon, bon cahier qui bon c'est ce qu'il est capable de faire. Il demande bonne zen pour faire sa bonne travail avec la fierté et qui est important pour renforcer bonne compétence et m'aider c'est ses lois. Il termine son message par son engagement, le thème salonnais, accélérer action pour un meilleur environnement en disant qu'il s'essaie le papier gagne épargné avec l'impact pollution au niveau mondial et qui bonne projet soutenable financièrement et besoin gagne accéléré pour bénéfice aux prochaines générations. Vainqueur dans la compétition La Peinture, la protection de l'océan, qui gagne récompensé hier dans une cérémonie qui fait cotiser l'histoire.
Ça attire en compétition la peinture, la protection de l'océan organisée par la Fondation Danifor. Ce qui a présenté les autres prix dans la présence ancien président qui est aussi fondateur et chairman de sa fondation. Sa 12 dessin qui rapporte prix compétition la peinture organisée par la Fondation Danifor tient un exhibit en dehors la salle conférence Musée l'Histoire. Sa bonne tableau, il travaille là 11 garçons et filles âgés entre 6 à 12 ans qui t'y envoie un message très fort contre danser fiti l'océan. Zoutin gagne sélecté parmi plus que 400 dessins sortis dans deux catégories, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans. Kisha Marie sorti l'école primaire Beauvallon, il participe avec deux tableaux et tous les deux il gagne choisi parmi sa 12 meilleurs. Après, je participe de bonnes salles de Dadello. Je suppose qu'il est un ballon de pauvre. Cérémonie pour émettre prix et certificat avec Bangayan, qui fait par M. Danifor, fondateur et chairman Fondation Danifor. Sa cérémonie, tu gagnes assisté par membre de fondation Alain de Koumaman, Sef Ziri Christine Chetty et parents bon gagnants. Nous servons sa compétition comme un moyen pour sensibiliser les enfants sur l'importance de l'océan. L'importance de l'océan pour le développement soutenable du pays, que la richesse y gagne développée d'une façon appropriée et raisonnable. L'importance protège toutes les ressources marines, qu'ils soient dans différentes espèces et écosystèmes maritimes, pour faire si qu'il y en a un équilibre entre développement et conservation de la richesse maritime. Richard No, sorti de l'école indépendant, il partage une idée de son travail. People swimming, people doing exercise, people like diving and all other stuff. Ocean, more tourists can come and have more fun in the ocean, don't get hurt a lot, that's why. Sa compétition La Peinture est la première activité que sa fondation a organisée depuis qu'il a lancé en 10 à l'année. Tous les 8 meilleurs dessins paraissent dans le calendrier de sa fondation 2022 et aussi sur son site web. Millen's Hope Foundation a organisé une activité dessinée et peine pour un semi-orphelin à l'école Pointe-la-Rue. Miss Seychelles 2020, Kelly Mary Annette, qui fondateur sa fondation, il dit qu'il bi sa activité, c'est pour aider sa bonne enfant exprimer ses sentiments et aussi douleur à travers l'art. L'homme est blé, sur les coussins, et parmi les bonnes scènes, qui sa groupe étudiant en servit pour exprimer ses corps. Sa groupe étudiant SN jusqu'à S5, sont tous un semi-orphelin, qui veut dire qu'ils ont perdu un de leurs parents. Ils ont rassemblé contre l'école secondaire Pointe-la-Rue pour sa activité. Aujourd'hui, il y a une location pour vous guys to get things off your chest and express. Ça veut dire que nous tous les autres pour poser pour faire une conversation pour vous to be able to get over this. This is a great partnership. C'est Millen's Hope Foundation qui pose Miss Seychelles 2020, Kelly Mary Annette, qui a initié sa activité. Après nous, database statistique collection qui nous fait, pour la récégorde, il y a plus de semi-orphans parmi tous les cours Cécile. Et aujourd'hui, il y a une raison qui nous vient là. Et aussi, moi-même, comment un past ex-student de l'école de la rue, mon tout envie, mes teachers tout le temps invitent pour moi venir donner un peu mon testimony, mon personal struggle in life. Donc, c'est la raison qui nous choisit ça l'école aujourd'hui pour faire sa creative art workshop. Outcome, sa creative art workshop, il pour sa bonne semi-orphelin S1 to Sky 5. Pour être capable d'exprimer, l'émotion grief et sadness qui sont en dedans après que vous avez perdu un parent, pour mettre les de la forme là, dans un papier. Donc, vous êtes un peu plus à l'aise, un peu plus lazy après cette activité. Une activité comme ça, nous avons usually accueilli avec des counselors de l'école. Avec des counselors tout en zone là, pour être capable d'identifier quelquefois un dessin qui est un peu disturbing ou bien qui quelquefois a besoin pour porter plus attention là. Kelly Mary, il dit que son fondation est concentrée sur une activité par mois, vu qu'ils sont bi, c'est pour en évoluer l'impact sur sa bonne enfant. Il n'est pas question que cette activité vous fait, question quel impact l'activité a dans la vie sa bonne semi-orphelin. Et après, nous avons une session, nous avons un questionnaire qui nous fait sa bonne participant remplir
pour nous voir évaluation est-ce qui vraiment une influence de façon positive qui va nous faire plus bien pour nous bonne petite activité encore. Kelly Mary, il dit que Melan's Hope Foundation et qu'on aussi pour bonne partenaire telle que l'organisation non gouvernementale et bonne business privé pour aider de bonnes activités. Il invite ceux qui intéressés pour aider pour contacter les autres. Quant à bons enfants qui sentent autres besoin ça support qui sa fondation y offre, ils sont capables de contacter hotline 259-0906 et email melanhopefoundation@gmail.com. Ambassadeur français Dominique Massine a annoncé que le festival gastronomie français appelé Goût de France pour gagner célébrer ici sa mois après qui ça l'événement in absent pour elle en est. Pour sa édition, c'est un restaurant, le Maï Pralin, qui rejoint l'ambassade française pour célébrer sa, l'événement. L'ambassade Mas fait sa l'annonce pendant une conférence la presse de son résidence, la Misère. Val de Loire, région en France, que peut-être pas beaucoup de ses lois connaît. Mais pour bon français, Val de Loire est renommé pour son diversité culturelle et l'héritage, et plus encore pour son bon manger. Très bonne nouvelle pour les Cécélois qui apprécient la cuisine française. Bonne plat Val de Loire peut venir plus près exode sa moi, à cause de sa région, il a choisi sa l'année pour le festival Goût de France. L'ambassadeur français Dominique Masse qui lance sa festival manger français qui célèbre dans plusieurs pays tous les années. Je crois qu'il est maintenant temps de redonner l'espoir. Et notre idée à travers cette opération, et je pense que les chefs ne me contrediront pas, c'est de redonner espoir aux clients, de redonner espoir aux Seychellois ou aux touristes qui viennent ici et de dire ben, on va retrouver la vie normale, on va retrouver des loisirs, on va retrouver nos activités culturelles, on va retourner dans les restaurants, dans les bars. Voilà, c'est relancer un peu cette vie normale et c'est ce qu'on va essayer d'exprimer. Avec les différents établissements tout au long de cette semaine de la gastronomie française. Département tourisme, le ministère des Affaires étrangères et tourisme et 8 restaurants, l'un des 2 îles principales, besoin de l'ambassade française pour organiser l'événement. Nous, on a choisi au niveau marketing de faire tous les jours avec un choix entrée, plat, dessert. Après, mes collègues, ils ont choisi de faire sur une soirée, de se concentrer complètement sur une soirée pour la découverte, avec une plus grande variété d'offres et de produits. Voilà. Nous, en tant que ministère touriste, département touriste, il y a un énorme plaisir pour nous associer nous, à ça l'événement, parce qu'il y en a des volets. Il y en a des volets, par exemple, nous solidarité avec nous l'industrie, hein, pour apporter nos soutiens. Mais aussi, par exemple, aussi l'autre côté, mais là, piment, mon capable dit marketing, conscientise l'importance qui manger, l'importance qui gastronomie, il y en a de nos métiers. Un des bonnes cuisines, ça, c'est un bon restaurant, c'est là que ça rencontre pour donner un avant-goût sa célébration qui peut durer pour une semaine entre le 14 et 22 octobre. On a la chance d'avoir un chef exécutif pâtissier, chef Luchien, qui en fait est d'originaire du Val-de-Loire. Donc il va pouvoir préparer un certain nombre de pâtisseries vraiment traditionnelles. Il y a un des petits plats pour déguster. Parmi les spécialités Val-de-Loire, son nom française, le rillette de cochon, qui cuisine un restaurant d'El Place, t'in préparé. Ambassadeur Mas, il dit que c'est l'événement et pour les résidents et aussi les visiteurs. C'est un événement qu'on veut célébrer pas seulement avec les résidents, séchellois ou étrangers. On veut effectivement faire partager la cuisine française avec nos amis séchellois, mais on veut aussi l'offrir aux nombreux touristes qui reviennent aux Seychelles pour aussi leur envoyer ce même message, leur dire ben voilà, aux Seychelles, on repart et on continue à faire des choses intéressantes. Festival Goût de France est traditionnellement fait en mars chaque année, mais 6e édition sa activité partie fait en 2020 à cause de la pandémie COVID-19. Adieu, merci beaucoup pour suivre.